a voulu fonder Ideol il y a 5 ans avec l'objectif de trouver une nouvelle solution technique, une solution innovante qui permette de produire de l'électricité en répondant aux défis climatiques et énergétiques de notre temps. Trouver une solution technique qui permette de produire une énergie renouvelable, 100% verte, avec le moins d'impact possible et au moindre coût. L'innovation d'Ideol, c'est de l'éolien flottant. C'est faire de l'éolien en mer, loin des côtes, donc sans impact visuel, en allant chercher le meilleur gisement en vent, donc au large. Le produit Ideol s'appelle le produit Damping Pool. C'est un flotteur en béton sur lequel on pose une éolienne qui permet d'installer de l'éolien en mer sans contrainte de profondeur. Ideol a développé une fondation sur la base donc d'un processus breveté d'amortissement de mouvement qui consiste en fait en une grande piscine au centre d'un flotteur en anneau, cette piscine servant à amortir les efforts de la houle incidente. Dans notre cas, une fondation flottante, c'est d'une part le caisson, la coque, ayant une flottabilité qui va permettre de supporter le poids de l'éolienne, et tout son système d'ancrage qui permet à la plateforme d'être maintenue en position, y compris en conditions de tempête. Ideol va installer en début d'année prochaine la première éolienne en mer en France. C'est le projet Flotgen qui va être installé au large du Croisic. La construction de la coque, donc une coque en béton armé, sera faite par Bouygues TP. Donc à travailler effectivement sur la formulation des bétons, de telle sorte qu'on ait un béton bien adapté au milieu environnement. C'est un matériau qu'on utilise régulièrement pour la construction d'ouvrages portuaires et qui donc a de bonnes caractéristiques de durabilité, qui a l'avantage par ailleurs de pouvoir générer une activité et des retombées économiques au plus proche des sites d'installation, puisqu'on sait réaliser des ouvrages en béton un petit peu partout sur la planète. Le prototype doit être construit pendant une période d'à peu près 5 à 6 mois et il devrait employer environ 70 à 80 personnes pendant la durée de la construction. Comme dans d'autres pays, on s'aperçoit finalement que l'éolien flottant est installé avant l'éolien en mer posée. La première éolienne en mer en France va être une éolienne flottante qui démontre finalement la pertinence de cette solution technique. Il est beaucoup plus simple d'aller installer une éolienne flottante qui est loin des côtes, qui ne gêne personne, que d'aller poser des éoliennes qui ont toute une logistique d'installation très compliquée. Avec l'éolien flottant, on pose l'éolienne à quai avant de remorquer l'ensemble au large. Aujourd'hui, Ideol, c'est le leader mondial de l'éolien en mer. C'est plus de 50 personnes. On est les seuls dans le monde à avoir une telle équipe. On a obtenu un gros contrat au Japon. Le gouvernement japonais est venu nous chercher. C'est parce qu'on a ce savoir-faire qui est absolument unique, qu'on a développé sur les 5 dernières années.